Il y a le mimétisme, c'est-à-dire, j'ai vu d'abord la mauvaise compagnie, j'ai un ami qui consomme la drogue, il me traîne, je suis. Il y a le fait que nous, les parents, nous ne surveillons pas assez nos enfants, qui sont ceux qu'ils fréquentent, qui sont ceux qui les fréquentent. Entre l'école et la maison, qu'est-ce qui se passe en aller au retour? Durant notre absence à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, c'est rangé dans les causes qui conduisent nos enfants vers la drogue. Il y a aussi les parents qui se séparent, les séparations entre parents. Au Bénin, ce que nous essayons de faire, c'est que nous luttons avec le SILAS, qui est le comité interministériel. Je rappelle que dans ce comité, il y a 16 ministères. Donc, nous avons trois axes de prise en charge. La réduction de l'offre, et c'est ce qui fait que vous voyez tous les jours pratiquement à la télé saisie de telle quantité de drogue, telle personne interpellée, etc. Nous avons également la réduction de la demande. La demande, c'est la prise en charge des consommateurs, donc prendre soin de leur état de santé. Et de plus en plus, il y a les risques liés à cette consommation. Et nous allons également dans la prise en charge des risques.